Kader Atou, directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle et de la compagnie Acrora. Alors ce soir, dans le cadre des 30 ans de la pyramide du Louvre, en partenariat avec Paris l'été, nous présentons un break à Mozart, une création que j'ai faite en 2014 en partenariat avec l'Orchestre des Champs-Élysées. Et c'est un spectacle qui mêle musique classique, répertoire de Mozart, porté par des danseurs virtuoses, hip-hop, de la compagnie. Et l'idée, c'était d'imaginer une partition chorégraphique en lien avec la partition de ce grand génie qui était Mozart. On le voit sur la vue aérienne, le château est ici. Alors ce spectacle, c'est l'Ouest loin, c'est une petite forme de cirque de 35 minutes et c'est une somme de tous les trucs que j'aime, de toutes les références qui me composent. Je travaille sur le fil, j'aime être sur un fil, que ce soit quand je chante une chanson, que ce soit quand je dis un texte ou quand je suis sur mes objets, j'aime qu'on ne sache pas de quel côté ça va tomber. C'est plein d'humour, les équilibres, alors là, on est nous-mêmes en équilibre un peu avec lui et on se régale. On se régale et vraiment, oui. Vous pouvez y aller. Je m'appelle Anthony, on a fait des chorégraphies et tout. Et il y avait du monde, on a participé, c'était vraiment bien. On a appris des pas de danse, des trucs à faire que je ne savais pas faire auparavant. Et ça s'est bien passé avec le chorégraphe qui est quelqu'un de très sympa et très cool. Et on a appris un peu auprès de lui, quoi. Ça s'est bien passé. Moi j'ai adoré. C'est un spectacle plein d'acrobaties et qui a suscité l'étonnement à chaque instant. C'est un spectacle assez fantasque, des détenus chamarrés, le gars sur sa moto avec tous ses corps agencés. Le fait qu'il n'y ait plus d'électricité, ils ont assuré comme des malades avec tout ce qu'il y avait de sensationnel dans leur danse. Ils ont continué à la lumière des téléphones. Voilà, c'était un moment vraiment plein d'émotions et de surprises, j'ai trouvé. Hein. J'avais en tête le film et j'ai trouvé que c'était extraordinairement bien mis en scène, que les acteurs là étaient époustouflants. Il a réussi à reprendre l'esprit du film tout en ayant une certaine distance et en faisant une création et en mettant sa patte. Et franchement, bon, c'était ma deuxième pièce de Paris l'été et je trouve que voilà, je suis totalement bouleversée et je crois que ça va me poursuivre pendant très très longtemps. Foutrac qui est créatif, génial, super voix, super costume, super ensemble, top. Vraiment bien. Allez-y.